Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo présentation d'un steelbook que je viens de recevoir. On va parler de Knuckles. Allez, c'est parti! Alors, voici le steelbook de Knuckles. Donc, à savoir que c'est une édition qui est sortie chez plusieurs vendeurs. Moi, je l'ai pris chez Fnac. Il n'y a pas de 4K dedans. C'est un steelbook avec juste le Blu-ray avec les 6 épisodes dessus. C'était vendu 19,99€. Donc je trouve que c'était quand même un excellent prix. C'est une série que j'ai vue récemment, je vous en ai fait un avis. Donc voilà, de manière générale, c'était plutôt moyen, mais j'avais quand même envie de l'avoir pour la collection. Surtout que j'ai le Sonic 1 et le Sonic 2 en steelbook, et je trouvais qu'il était très joli. Donc voilà, face avant assez classique, d'après l'univers de Sonic le Hérisson. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Petit résumé du film, donc pour vous faire une idée, en gros, c'est juste après Sonic 2, on a Knuckles qui est incorporé à la famille de Sonic, et il a bah voilà, toujours des envies de baston, etc., de grande gloire et tout ça, et il va essayer de former Whitwinkle, qui est ce perso-là, dans un championnat de bowling, et essayer de l'aider à accomplir sa destinée, entre guillemets. Sauf qu'entre-temps, bah évidemment, vous avez des méchants qui vont essayer de choper Knuckles pour leur pouvoir, comme par exemple celui-là, il y a aussi deux autres personnages qui ne sont pas présents. Donc voilà, de manière générale, l'histoire, pas dingo, mais sympathique à voir. Voilà, ça va, franchement, ça va. Niveau du format, bah, classique, hein, 1080p HD, audio avec du français, 12 sous-titrages aussi en français, il y a 6 épisodes en tout, ça fait 171 minutes. Donc voilà, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Alors, niveau de la face avant, donc on a Knuckles en gros plan, avec le titre en dessous, donc dans la typo hein, de tout ce qui est Sonic, etc. Vous avez un type cadre avec à l'arrière comme du papier qui brûle, les deux points qui sont un petit peu en glossy, je veux dire, un petit peu effet brillant, pareil que sur le titre. Vous avez les deux qui sont un peu plus brillants que le reste. Avec le personnage très bien foutu, franchement très joli, j'aime bien la peau, c'est assez dynamique, c'est joli. Vous avez vraiment des petits effets de brillance sur les contours. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'embossage ni de débossage. Sur la tranche, nous avons eh bien, évidemment le titre, toujours dans la même typographie, avec Paramount le logo. Joli, léger dégradé de rouge, qui reprend aussi la tranche. Et vous avez du rouge, et là ça suit un peu le cadre de devant, donc très joli. Et à l'arrière, alors ça c'est une scène, oula, ça c'est une scène du premier épisode où en fait il s'est fait un trône style Game of Thrones. Donc voilà, franchement joli avec ce dégradé aussi de rouge et de noir, très joli. Paramount Plus, vraiment discret dans le bas, franchement c'est super bien. Alors je vois qu'il y a des petits défauts moi sur mon steelbook, je vois par exemple ici. Une griffure là, une toute petite là qui est très profonde. Je suis assez étonné hein, parce que franchement il n'y avait aucun coup ni quoi que ce soit. Vous aviez en plus le petit flyer qui était collé dessus, donc c'est vraiment en dessous. Étrange. Là elle est vraiment importante celle-là. Et vous avez aussi en bas une petite là et un poc là. Et là aussi. Il y a quand même quelques-uns. Bon, dommage. Franchement dommage. Bon, celle-là est vraiment emmerdante, on la voit beaucoup. Hein. Donc franchement l'arrière très joli. Hein. Franchement rien à dire, j'aime bien le choix qui a été fait. Hop. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Déplié. Ouais, très joli. Il y a une cohérence, je trouve que c'est pas mal. Joli. Les deux premiers steelbooks de Sonic 1 et 2 étaient déjà très cool. Donc vous avez pas de sérigraphie sur le disque, donc un Blu-ray classique, version bleue, avec le nom des épisodes dessus. Voilà, avec des petits bonus. À l'intérieur, vous avez, donc ça aussi c'est issu du tout premier épisode, à savoir que Sonic et Tails, d'ailleurs, vous les voyez seulement dans le premier épisode, après vous ne les voyez plus. Donc c'est une scène où ils sont dans le grenier, où voilà, Sonic essaie d'expliquer un petit peu que Knuckles doit se mettre un peu au diapason et arrêter avec ses histoires de grandeur, etc. Donc c'est joli, c'est sympathique comme choix. Au moins vous avez les deux personnages. Voilà, joli. Hop. Donc voilà,
Ce qui conclut la présentation de ce steelbook de Knuckles. Alors l'objet est vraiment bien, moi je le trouve vraiment joli, surtout pour 19,99€. Je trouve que c'est un super prix. À savoir qu'en général la concurrence sont quand même à 10€ plus cher. Hein. Il n'y a pas grand chose de plus en soi, hein. Il manque le 4K, mais si vous comparez par exemple à un steelbook Disney, vous n'avez pas non plus de 4K, vous avez juste un disque, et oui, vous le vendez 30€. Donc à comparaison, voilà. En plus là vous avez 6 épisodes, donc 171 minutes, ce qui correspond à plus de 2h30 de contenu. Donc voilà, franchement, ça vaut quand même le coup. Je vous laisserai une chance de regarder Sonic, honnêtement, Knuckles du coup. C'est sympathique sans être incroyable, voilà. Bon, si vous aimez bien l'univers, je pense que vous allez plutôt apprécier. Moi, en tout cas, je suis très content de mon achat. Voilà ce qui conclut cette vidéo présentation du steelbook Knuckles. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!